Salut à toutes et à tous, c'est Raikou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, notre quatrième vidéo sur la carrière Pro Cycling Manager 2015, la saison 2016. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le tour de Dubaï, on enchaîne, donc 4 étapes. Et voici le roster que j'aligne: Belkov, Michael Morkov, Isaïchev, Christophe Tsatsevich, Marco Haller, Polite et Vorobiev, donc un... Alexander Christophe, mon sprinter fétiche que j'aligne évidemment sur ce tour de Dubaï et sur le tour de Qatar, ce sera ces deux courses de reprise. Donc au niveau des leaders qui sont présents sur cette course, qui est-ce qu'on a? On a Nasser Boigny au niveau des sprinters, c'est surtout une course pour sprinter, mais on note qu'on a quand même Wilco Kelderman qui est là, Edvald Bossenhagen, Juan Dennis qui est là, Sacha Modolo, Edward Tuns, Jasper Steven, Sylvain Chavanel qui est là, la machine. Et en fait, on n'a pas grand monde. Hein. On n'a pas grand monde. Mathieu Bréchel. Ce sera pas très compliqué, je pense, ce tour de Dubaï. Donc, au niveau des étapes, ça commence par un contre-la-montre par équipe. Ensuite, on a une étape de plat. Une étape de plat. Et une étape de plat. C'est magnifique. Donc, évidemment, je vous ferai toutes ces étapes en une vidéo. Mais là, déjà, on va commencer par simuler le contre-la-montre par équipe. Parce que si vous êtes un joueur assidu de Pro Cycling Manager, vous devez savoir que les contre-la-montre par équipe, c'est totalement what the fuck dans PCM, donc moi je les simule, hein, je me fais pas chier. Donc c'est ce qu'on va faire, donc allez, go, simulation rapide. Hop, ah bah on a gagné, bah d'accord, j'avais eu un succès, oui c'est ça, parce que j'ai réinitialisé totalement mon jeu, donc les succès sont revenus à zéro. Faire un doublé, oui d'accord. Donc on a gagné avec 13 secondes, et c'est qui? C'est Michael Morkov qui aura le maillot de leader, pas de soucis. Devant Peter Velitz, donc la BMC, la Cannondale qui finit à 18 secondes, la Dimension Data finit également à 18 secondes, la AG2R à 33 secondes. Ouh, Bossenhagen s'est fait lâcher par son équipe. Étonnant ça. C'est à signaler. Team Lotto NL Jumbo, donc oui, le team Lotto NL Jumbo qui prend 39 secondes. Ensuite, dans le même temps, on a la Bora Aragon. Tinkoff à 50 secondes. La TGA, la Giant à 57 secondes. Direct Energy à 57 secondes. À 1.8, on retrouve les Yam, la CCC à 1.8 aussi, à 1.12 la Lamprey, à 1.13 la Trek, Southest à 1.13 aussi, à 1.32 l'équipe locale Skydive Dubaï, la Bardiani à 1.32, la Cofidis ou la 1.35, Androni à 1.42, tout comme Wanty Group Gobert. Donc voilà pour ce premier contre-la-montre par équipe. On va tout de suite passer à la suite. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Parce que... Attendez, je vais juste vous dire où on se reprend. Parce que du coup, moi, je vais jouer la Volta à la Comunidad Valenciana. Et comme je vous la montre pas en vidéo... Parce que sinon, ce serait trop long si je devais vous montrer toutes les courses. Donc la deuxième étape, bah, je vous retrouve simple. Hein, 20 km de l'arrivée, c'est tout plat de toute façon. À moins qu'il y ait des bordures, parce qu'il risque d'y avoir du vent sans doute. Donc s'il y a des bordures, je vous reprendrai au moment venu. Donc à tout de suite. Donc voilà, c'est parti, on a 17 km de l'arrivée donc dans cette étape entre Dubaï et Atlantis. Donc comme je l'avais prévu, 46 km devant et encore tout à l'heure il y en avait 66. Donc devant on a 3 coureurs qui sont échappés, deux moitiés, Albalouchi et Kendis. Et je vais juste vous parler vite fait des sprints intermédiaires parce que je les ai joués évidemment. Donc je fais premier du premier sprint intermédiaire et je fais premier du peloton sur le deuxième. Donc j'ai pris des points, c'est pas mal, ça... Parce que je joue évidemment le maillot du meilleur sprinter. Hein. Donc Christophe plus 4, ça fait assez plaisir à vrai dire. Hein. Donc on va voir ce qu'on peut, si on peut ramener une belle performance. Donc on va faire notre train. Donc Polite qui roule depuis le début de la journée. Et je pense que Morkov ne va pas garder son maillot cette fois. Hein. Donc alors notre train, ça va être... ça va être Morkov dans la roue, Isaïchev. Isaïchev qui va se mettre. Isaïchev, je pense qu'il va rester normal. Bon, il va se mettre dans la roue de Belkov quand même. Hop. Tsatsevich va se mettre dans la roue de Morkov. Aller dans la roue de Tsatsevich. Christophe dans la roue de Aller. Et puis c'est tout. Voilà, hop, parfait. On peut commencer à mettre le train en place. Hop, Belkov qui se place. On va juste le ralentir un peu pour pas que ça crame les coureurs qui essaient de revenir dans le train derrière. Hop, Aller qui revient. Il reste avec Christophe maintenant moins de 15 km okay, à parcourir. C'est parti. Là, on s'est un peu bloqué.
bouton qui se rabat sur la droite. Il faut pas que ça fasse de la merde. Attends, Pauline, tu vas protéger Belkov, tiens. T'es là. Hop, là, ça va faire des bordures. Il va falloir faire attention. Hop, le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Ah putain, on n'arrive pas à se pousser là. Ah voilà, il faut se pousser. Putain, Vorobiev, t'y aille là. Putain, j'ai pas envie de me faire niquer, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant plaît, à 10 km de l'arrivée. Putain, non, j'ai pas envie de me faire niquer, j'ai dit. Allez! Les sprinteurs vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement préférer aller à gauche. À une arrivée groupée. Putain. Le groupe d'échappée vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. On arrive presque aux 5 derniers kilomètres là. C'est pas possible ça. C'est bon. On a tout le monde. Ok, go. Ouais, me lancer Isaïchev, tiens déjà. Ce Belkov il est gentil, mais. 1-3. Bon, parfait. Tout le monde, le gel. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Hop. On va pouvoir lancer pour Morkov. C'est parti pour Morkov. Voilà. Attention. Attention, je lui me fais peur, lui, t'es que les manottes là. Hop, c'est parti pour Sachevich. Lance son sprint, Sachevich. Oh putain, Bonnie est mieux emmené. Fait peur tout ça. Alaire qui lance son sprint. Bréchel qui a lancé de loin. Le sprint final est lancé. Bonnie est pas forcément hyper maintenant. Bien emmené finalement. Et le vent qui est très très fort, il est comment? De face. De face, trois quarts face. Allez. Putain, pourquoi tu te décales comme ça, Christophe? Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, Alaire va aller win peut-être, non? Ah, oh, ça va être limite. Ah, oh, je crois qu'il va pas win. Ah non, c'est Modolo qui va win. Oh putain, Christophe qui a fait le coup. Oh Christophe, pourquoi t'as fait ça? Ah si, Alaire a gagné, Alaire a gagné. Yes, Alaire a gagné les gars. C'est bon ça. Oh d'un semblant de roue, il a gagné Alaire. Oh putain, Christophe, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu, Christophe? Pourquoi t'as fait ça? Ah, c'était d'un ridicule cette action. Oh dommage. Donc là, il y a Sterbini qui est mort total. Alors moi j'étais persuadé que Modolo avait gagné. Et non, c'est Alaire qui a gagné. Bon bah parfait, hein. Bah, c'est Alaire qui va prendre le maillot en fait. C'est pas grave, ça restera Christophe mon sprinter, mais on va voir ça au replay parce que... Regardez ça, regardez Christophe qui a voulu se décaler, je sais pas comment. Et là, Alaire, et là je crois que Bonnie va me battre, mais non il s'arrête. Et là Modolo je crois qu'il va me battre. Oh putain ça se joue. Oh les gars, ça se joue pour un boyau je crois. Les gars, je crois que ça se joue pour un boyau. Attendez, encore un replay. Oh. Ça doit se... Regardez ça, Modolo qui va arriver là parce qu'avec le vent, oh, Alaire qui se plante et boum! Oh, pour un boyau, les gars, un boyau! Incroyable! Ça m'est pas arrivé souvent de gagner des sprints comme ça. Hein. Oh, attendez, je vais. Hop, ah tiens, une vue du ciel, c'est pas mal, on va regarder aussi. Voilà, Modolo qui est là, qui lance son sprint. Qui est bloqué un peu par soupe. Oh, on va pas voir, on voit pas là. La Boigny qui arrive. Il y a Boissenhagen qui est là. Ah ouais non, rien. Ah dommage, on voit rien. Attendez, je vais sauvegarder le replay. Hop, je sauvegarde. Parce que là, c'était unique. C'était unique comme course. Donc du coup, ça va nous montrer les podiums. C'est pas grave. Donc à l'heure qu'il emporte. Donc voilà, première victoire de la Katyusha. Donc bah oui, bah tant mieux qu'il y ait les podiums. Tiens, pour cette première victoire. Devant Modolo, Boigny, Howard, Adam Blight, Boissenhagen et Christophe qui finit seulement 7ème, décevant Christophe qui avait un plus 4 pourtant, mais bah voilà s'il avait pas fait le con. Hein. Donc Alaire qui est premier avec 7 secondes d'avance sur Christophe, 9 sur Morkov. Au classement par points, donc c'est Alaire qui domine, mais c'est Modolo qui aura le maillot. Au classement du meilleur jeune, c'est Alaire aussi, qui a tous les maillots en fait, sauf le maillot du meilleur grimpeur, mais forcément il n'y a pas de grimpeur sur le tour de Dubaï. Et au classement par équipe, c'est aussi à Katyusha. En même temps, on a remporté le chrono par équipe. Donc on se retrouve tout de suite, encore une fois, pareil, à 17 km de l'arrivée. Même si là, ça a été un peu plus dur, hein. c'est mieux pour Christophe, parce qu'on sait qu'il aime bien les arrivées en boss. Donc là, c'est un sprint qui va être dur, donc
je vous retrouve là, avant cette première bosse, je pense. Enfin, en tout cas, 20 km, hein, je pense que ça fait 20 km, ça. Donc, c'est parfait. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve à 22 km d'arrivée, 20 km pour l'échapper. Donc, de cette quatrième étape, donc, entre Dubaï et le Burj Khalifa, donc, l'arrivée au pied du Burj Khalifa. Et donc, cette étape, elle a été dantesque. Vous pouvez voir 40 km devant. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer vite fait, parce que je n'ai pas voulu prendre de record. 9 coureurs sont partis dans l'échappée dès le début. Moi, j'ai essayé de le rattraper, mais il n'y avait que moi qui faisais la poursuite. Du coup, je me suis mis à rouler à 85. Et en fait, tout le monde a pété. Il n'y avait plus que mon équipe dans la roue. C'était n'importe quoi. Il y avait des bordures dans tous les sens. N'importe quoi. Et du coup, on se retrouve qu'on n'a jamais pu réussir à rattraper cette échappée. Maintenant, ils sont plus qu'à 1000, parce que forcément, ils sont tous crevés à force d'avoir roulé pendant toute l'étape. Et notamment, on remarque qu'il y a Peter Vélis, le 11e du général dans l'échappée. C'est pour ça que j'aimais pas trop cette échappée, vous voyez. Donc là, ça roule à bloc. Et moi, je n'ai aucun équipier pour amener le sprint. Donc ça risque d'être beau, parce que j'ai roulé pendant toute l'étape. Donc c'est un peu n'importe quoi. On va voir ce qu'on peut faire, mais bon. Ah voilà, ça roule. Tanner qui roule. On va voir si on peut se mettre dans une roue. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Hop, voilà, Christophe qui a un moins 3 en plus, c'est parfait. Je suis pas sûr qu'on la gagne cette étape-là. Autant on a gagné presque toutes les étapes, mais je suis pas sûr qu'on gagne cette date. Accrochez-vous, en fait, comme vous pouvez. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. On va voir comment ça va se passer. Hop, Vélis qui va se faire attraper parce que je pense qu'il est mort. Le peloton vient de reprendre les échappés. Donc alors, qui c'est qui va y avoir un tempo. Qui c'est qui va avoir il un va train, se passer quelque chose. Ça qui va être intéressant. Donc alors, Boigny, il a Geoffrey Soupe pour l'emmener. S'ils font quelque chose. Oula. La Modolo va avoir un train, je pense, non. Je sais pas. Là, je vais aller me mettre. Il va falloir faire l'effort là, Christophe, pour aller se mettre dans la roue de Modolo. Là, parfait, encore on prend la roue à Bossa Dayot, notre compatriote, on dirait qu'il nous la donne presque. Hop. Les Yam aussi vont avoir un train, mais bon, leur sprinter est nul. Alors que le peloton se rapproche de l'arrivée, tout le monde. Ça va être ridicule ce sprinter, moi je vous le dis. Ça va qu'on a 79 en plaine avec Christophe, hein, parce que sinon, décrocher, ça aurait été bordel de merde. De se faire décrocher. Ah bah, Tchatchevitch a été décroché. Il était 3ème au général. Bah, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Belkov et Morkov aussi vont se faire décrocher, il y aura plus que à l'heure. À l'heure, ce rouille, c'est-à-dire décrocher aussi. On va juste voir le vent. Je pense que le vent est latéral ici. Non, il sera de face pour la dernière ligne droite. Ah non, c'est ça la dernière ligne droite ? Non, c'est quoi ? Il y a encore un virage là-bas, non ? Encore 5 km à parcourir. Je comprends rien. Alors, on est où nous ? Ah non, c'est ça la dernière ligne droite. D'accord. Donc, alors, personne ne veut emmener. Là, ça va être étonnant ce qui va se passer. Hop, je prends la roue de Ward. C'est peut-être pas la meilleure solution. On va prendre la roue de Modolo. C'est Modolo qui lance pour de loin. Final. Qui va être le premier Modolo sur la ligne lance de loin. Oh, j'ai oublié le gel. C'est pas grave. Modolo lance de loin. On revient dans la roue. C'est compliqué. Hein. On lance le sprint. Adrien Petit qui déboîte. Ah ouais, non, on peut pas. Clairement, on n'a pas pu là. On était mal placé. Le peloton vient de reprendre. On remportera pas cette dernière étape. Ça va être Adrien Petit qui va l'emporter. Incroyable. Et nous, on aurait dû rester dans la roue de Modolo. J'ai voulu aller dans la victoire roue de Loire. Victoire sur la ligne, tout roule. En puissance. Donc Christophe qui avait plus d'équipier, forcément c'était trop compliqué. Hein. Impossible sans équipier. Bon, on fait 5ème de l'étape, c'est pas mal. Le principal, c'est qu'on conserve la tête du classement général, la tête du classement par points, etc. Par contre, on va pas conserver la tête du classement par équipe, je pense, ni du classement... Ah, quoique, à l'heure, était toujours là, je pense, du classement du meilleur jeune si. On va voir, parce qu'il y a eu des chamboulements sur cette étape. Remporter une course, étape de catégorie 2HC, et oui. Là, on peut voir que je croyais que Boigny ou Steven allait le dépasser, mais non, il a réussi à rester devant, pour rien du tout. Vraiment, c'était une course assez bizarre à voir quand même cette étape, hein. Franchement. Donc voilà, Adrien Petit qui entoure l'étape, je vous ai déjà dit le résultat. Au classement général, donc voilà Christophe qui l'emporte devant l'heure, donc il reste plus que deux coureurs de mon équipe, et vous pouvez voir que là, le classement était décimé, 3 BMC, 2 Cannondale, 2 Dimension Data... Il y en a dans tous les sens, comme on dit. Donc, Christophe qui remporte le classement par points. Son premier classement par points de l'année. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Woods, le classement du meilleur grimpeur. Mais ça, c'est déjà connu depuis hier. Aller, le classement du meilleur jeune. Et enfin, la BMC remporte finalement le classement par équipe. Et nous, on a disparu de ce classement.
parce qu'on n'avait plus aucun équipier, donc forcément, on a disparu du classement. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce Dubaï Tour, ce tour de Dubaï. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera le tour du Qatar, donc une course assez similaire, mais au Qatar quoi. Mais toujours avec du vent et avec un roster normalement qui devrait être à peu près pareil, sauf qu'il y aura Spilak, parce qu'ils m'ont donné de l'argent pour que j'amène Spilak, donc je vais l'amener. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, si vous avez apprécié la vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher un like, ça aide la chaîne à avancer. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!